Le Japon, c'est le pays du poisson cru. Ici, il s'en consomme chaque année 12 kilos par habitant et sous toutes ses formes. Mais depuis quelques années, au pays du sushi, la pizza gagne du terrain et devient même tendance. Il s'en consomme 3 par an et par habitant, loin derrière les Français qui en mangent 12. Mais ce marché est en pleine croissance. À Saitama, dans la banlieue de Tokyo, Takumi travaille 10 heures par jour dans cette pizzeria située dans un quartier de bureaux. Le jeune homme est pizzaïolo depuis 9 ans. C'est un peu par hasard, pour payer ses études, qu'il a choisi ce métier et s'est rapidement pris au jeu. Les gestes sont sûrs, mécaniques et la recette classique, avec parfois une petite touche locale. Voilà une pizza adaptée au goût des Japonais, avec des pommes de terre spéciales et une sauce aux œufs de poisson, du menteko. Et dès la fin de son service, Takumi part s'entraîner, car ce n'est pas derrière son four qu'il prépare le championnat du monde, mais ici, sur une petite place un peu à l'écart. Faire voler des pâtes à pizza, voilà sa spécialité. Il est même l'un des meilleurs au monde dans la catégorie du freestyle, une des disciplines présentes à Parme. Pour l'entraînement, ces pâtes à pizza sont en silicone. Je ne m'inspire pas que des autres pizzaïolos pour mes figures. Je me suis inspiré des vidéos de basket, mais aussi des joueurs de foot artistiques. Et aussi des barman et leurs cocktails. Et celle-ci, elle vient du foot par exemple. Mais elle est difficile. Si pendant le championnat, sa pâte s'écrase par terre, il peut dire adieu au titre. Au Japon, ce n'est pas la famille qui est derrière un candidat, mais parfois tout un quartier, voire une nation. Mayumi, la patronne de Takumi, a rendez-vous ce matin à la préfecture. Bonjour, bonjour tout le monde. Dans son sac à main, un drapeau japonais. En Italie, son poulain va représenter le pays du soleil levant. Là, il est écrit « L'âme du Japon ». Takumi participe au championnat du monde en Italie. Mettez-lui un petit mot d'encouragement. Dites-lui de ramener la victoire. Tous les fonctionnaires s'exécutent avec discipline. J'ai écrit « Je m'attends à ce que tu fasses une super performance ». Y compris le chef de service. Victoire assurée. Reviens en tant que champion du monde. C'est un ordre. Mais ici, il y a encore plus motivant que tous ces encouragements. Kubaton, es-tu là? Il y a ceux de la mascotte locale. Oh, Kubaton. On va aller voir Takumi. Kubaton le pigeon, en l'occurrence. Au Japon, une mascotte sort pour des événements exceptionnels comme la fête nationale. Celle-ci fait 2 mètres de haut, alors ce n'est pas facile de passer les portes. Mayumi doit donc se rabattre sur un autre chemin, un peu plus périlleux. Oh là là! Kubaton? Est-ce que ça va? Kubaton est en accident. Bonjour! C'est Kubaton qui est là. Takumi, comment ça va?
C'est Kubaton qui te rend visite, Takumi. Oh, merci, merci. Il est venu juste pour toi. Ikuyo, Kubaton, Taku to isshoni ne. Taku ni kinmedaru, onegai.